côté de moi là. Mais c'est quoi ces conneries? Vous êtes qui vous? C'est de la discrimination. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous êtes qui? Interdit aux femmes. Depuis ce matin. Aux femmes? Aux femmes. C'est une blague? C'est pourquoi ça? C'est interdit aux femmes, monsieur. Ah bon? Aux femmes? Aux femmes. Foutez de moi, là. Non. Bonjour, madame. Le parc n'est pas accessible aux femmes. On a vu ça. Pourquoi? C'est un nouvel arrêté, monsieur. Une nouvelle arrêté? Yeah. Pour les femmes? Oui. Je ne comprends pas. Les oui. femmes ne peuvent pas entrer ici? Non. Expliquez-moi pourquoi. C'est une nouvelle loi qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que ils c'est que cette connerie que vous n'avez plus le droit de passer par le parc. C'est une blague? Non. Non, mais c'est sérieux? C'est sérieux. Je suis là pour vérifier que tout se passe bien, que j'en respecte ceci. Ah oui? Voilà. Vous pouvez aller, monsieur. N'importe quoi. Mais c'est quoi ces conneries? Vous êtes qui, vous? L'interdit. Vous êtes qui? École principe. Tournez-vous. Bonjour, madame. Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas, c'est une caméra cachée. Comment vous avez vécu cette expérience? Bah, ça me semble absurde. Bah, inenvisageable. Je trouve ça tellement nul que c'est effrayant, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, j'aurais fait un scandale. C'est impossible d'imaginer une chose pareille. En fait, je suis afghane et les femmes dans mon pays n'ont pas accès au parc. Elles n'ont pas accès au parc? Oui, elles n'ont pas accès à l'école, à la salle de sport. Elles n'ont pas le droit? Vous êtes deuxième degré. Mais c'est inenvisageable en fait, hein. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de discriminer en fonction du sexe. Ce qui se passe, c'est pas humain, non. C'est honteux et bravo pour ce que vous faites, il faut dénoncer ça. Aujourd'hui, en 2024, on peut pas laisser passer des trucs comme ça.